rassemblés devant moi, affamés. Terrifiés, serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur encontre? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leurs corps déformés par des rituels impies, envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps. Mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leurs services contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Les oiseaux se sentent pour la nuit. Les phares bien rentrés à l'abri. Mais une âme seule reste en.
pas difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri. A priori, je suis tranquille jusque jeudi. Ce soir, on va pouvoir faire un petit stream. Étendu! Moins vite. Ah ouais. Au galop, Ablette. Bien avancer, ce serait sympa. Pour qu'elle précieuse ce cheval-là. Un loup et un élémentaire. Évidemment pas de voyage rapide. Allez. I
Amène-toi. Salut Mister X. Qu'est-ce donc qui prend les trajets possibles? Geralt a dû rater tous les leg days de l'univers.
Parfaitement bien. Bah ça vaut la peine d'esquiver. C'est bien, Hamlet. Même pas mes potions. Truc connerie. Parfait.
Bizarrement, c'est plus simple quand tu en as qu'un seul à la fois. Que truc ici. Une bannière de sirène. Amène-toi, allez. Ma collection de...
Ouais. Adieu. Ouais, le mec il s'est cassé pendant que je lui ai parlé. Bon, sympa, connard. Oh. Quelle idée de faire dégueuler ton chat dans ton lit. Je m'aurais demandé, je t'aurais dit que c'était pas une bonne idée ça. Franchement.
Parfait. Je devrais jeter un œil aux alentours. Te revoilà. Alors, tu as changé d'avis ? Bonjour. D'accord. Parfait. Bon. Un sorceleur. Sorcelier. Discret mais mortel, hein ? Et à qui ça a à faire ? Réclez-lui son nom ! Par le grand Kraken, il est rapide. On fait une belle équipe, non ? Merci, mais... ...156-160, je crois qu'il est temps d'aller faire un petit tour auprès des marchands. Tordax. Nous servons celle qui est la vieille. Bienvenue à vous. Qu'est-ce qui se... Cher l'air de rien. Merci de m'avoir... Ah, je vais... Donc, améliorer... On n'en a pas besoin, du coup. Ah. C'est bon. Basique. C'est bien de le garder, histoire de ne pas me planter. Ours. Ah, j'ai pas...
J'ai des quêtes comme ça qui se baladent que j'ai pas terminé. Merci. Bon, on utilisera une petite potion. Griffon, loup, griffon, aigre. Ah non, j'ai fait aucune des lames de. Ok. Ok. Est-ce que je reprendrai pas ces merdes là histoire de les vendre? Jamais on me. Rééquipe. On vend tous de toute façon. Ah oui. Dans le jardin de Freya. Ma collection de plantes. Pourquoi pas? Alors, on peut nous vendre Starborier. On va avoir besoin. Du truc odorant, il y en a qui en solde. Alors. Albedo. On n'a pas encore. Non, de l'hydragenum. Hydragenum. Ce truc là. Hydragenum. Et une plante. Machin, boum, je peux plus faire la moisissure verte, tant génial. Bon, il en a blindé. Ah, Ruby. Vermillon. Bah, de toute façon, j'ai plus de mouette immaculée et de graines d'ergo. Adieu. Les marchands sont peut-être rentrés. Les armuriéristes. C'est une décoration. Je l'ai gravé moi-même. Fais fondre cette lame et reforge-la. Une épée, c'est pour trancher. Ainsi vous revoilà. Je jetterai. Bon. Le de l'ours. Ours. Ours. Paul du l'ours. Pas encore. Évidemment.
pantalon, c'est le seul que j'avais déjà en... avoir de son les bottes qui sont améliorées. Parti est actuellement en cours. Adieu. Ah. On va équiper, sort. Regarde ta vieille hache. Une arme peut... J'ai... Un go d'argent. Un enculé. Bon. Faire une transaction pareille, je me serais abstenu. Adieu. Sa robe qui part en couille. Évite les ennuis. C'est pas grave. Il gère pas encore super bien les tissus, hein. Salut Nero. Oh putain, encore à bout du. Oh. Plein de trucs de cyclope. Ah bon. Avoir des masses d'ingrédients, ça reste un truc assez rare, l'air de rien. Oh, tout doux.
comme ça qu'on fait. Ouais, non, le cheval, il est assez capricieux, il n'y a pas trop moyen de grimper avec. Je crois que tu disais justement, c'est pire que Skyrim quand on est à cheval. En quel cas, je suis tout à fait d'accord. Alors on est mort. Alors, ça fait quoi de chier ses entrailles? Comment pourrais-tu nous relater ton expérience anale?
Fuck. Que j'ai pu rencontrer de ces merdes là, t'sais. À toi, ça, je m'en fous. Ça va, loop n'est qu'à 1500 mètres. Pied. Mètre. Mètre de pied. Ça se tient. Allez. Ah, ils se multiplient vite les lapins ici, tiens. Il y en avait un, puis pouf, il y en a eu deux, puis pouf, il y en a eu trois, puis il y en a eu quatre. Ah bah oui. Un bon environnement. Que j'ai pris l'épée Arja. Bande.
Visiblement, il faut que j'aille faire une course pour ma mère. Du coup, je vais être absent une petite vingtaine de minutes, si pas plus. Ah putain. L'infirmière est passée à 16h et c'est maintenant qu'elle demande d'aller faire sa course. Alors que la pharmacie ferme dans une demi-heure. Attention à ce que tu fais. Tu me le demandais un peu plus tôt. Bah, je vais y aller à pied, hein. C'est allez, moins d'un kilomètre, je vais pas sortir la voiture pour ça donc. Et il n'y a pas de neige ici. On est à Bruxelles apparemment. Hier, il y avait pas mal de neige, ça, accorde. Ah oui, c'est le... emplacement de vivance de l'autre taré. Mon épée en argent. Ah. Tiens, il y a moyen de presque tous les choper dans Hard. Allez, il y en a un qui a pas été dedans. A priori, on me retrouve demain. Ici, on est dans une période très calme, apparemment. Je n'ai été appelé que pour jeudi. À savoir que je travaille la nuit cette semaine. Donc, jeudi, on fera en stream normalement, donc pendant la journée, un petit peu comme aujourd'hui. Et après, je reviendrai en soirée. Non, justement, je reviendrai pas en soirée. Mais aujourd'hui, donc ici, je vais juste laisser le stream en attente sur ma petite... image de d'absentagation. Et je reviens reprendre le stream dès que j'ai fini la petite course. Sinon je ferai également un autre stream après avoir mangé. Donc on peut imaginer me revoir vers 21h, un truc dans le genre. Du coup, si vous êtes encore là dans 20 minutes à tout à l'heure, sinon eh bien à 21h à peu près.
Bon. Visiblement, mes parents ont décidé de manger très, 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 très tôt. Donc je reviens à peine et je repars. Cette fois-ci, c'est pour aller manger. Donc je reviens encore après. C'est là. Et donc voilà, à tout de suite, dans à nouveau une vingtaine de minutes. Quand j'aurai fini de manger. Donc voilà, à tout à l'heure.